Nous venons de déposer les sapins de Noël que les testeurs ont déposé en différentes bennes. Donc nous avions en tout l'équivalent de plus de 15 bennes que nous avons amenées ici. Et ces sapins ont pour vertu de retenir le sable. De faire avec ses enfants, qui sont les enfants du conseil municipal des jeunes, en partenariat avec l'ONF, en partenariat avec les services de la ville. Voilà, c'est une très très belle opération que l'on a envie de renouveler tous les ans. On a eu des entailles comme on voit ici dans la dune, vraiment une action du vent. Et un peu plus au nord, sur la Saline Nord, on a eu des problèmes d'érosion marine, là vraiment dû à des attaques de mer. Qui ont conduit à un recul d'environ 10 à 12 mètres. Je vois que la végétation repart sous les branchages et les sapins qui ont été installés l'hiver dernier. On sait aussi que des oiseaux viennent nicher dans ces endroits-là, donc ça fait vraiment double emploi. Ça permet de recréer un milieu lunaire et de recréer aussi des micro-habitats pour la faune et la flore.